T'es fatigué de ta journée? Hein? Allez, à la douche. Tu veux faire acteur, non, comme métier? Tu veux faire un câlin à ta mère? Un moustique. Ah bah c'est dur hein, de reprendre. Hein. C'est bien, tu t'as bien fait tes devoirs. C'est très bien. Faut continuer comme ça. Hein. Faire une bonne douche, ça va te faire du bien. Et là, il est quelle heure? Il est 8h moins le quart. Si tu veux aller après tout de suite au lit, tu peux. Hein. Non? Bon, le steak. Allez, à la douche. Ton pyjama est sur le lit. Sur... One, two, three. Hein? Bah, je suis là. Hein. Je suis là. Donc, j'arrive quand même à voir, même quand je les ai fermés. T'arrives à voir les yeux fermés, mais ça a de la chance. Tu peux mettre ton short là au sale, ton bermuda au sale. Le gilet, tu le mets pas au sale, tu peux le remettre demain. Hein? D'accord? Luminosité fracassante. C'est bien parce qu'on a reçu le mail là d'information du directeur de l'école comme quoi il allait bien avoir une 11e classe. Donc là, les classes de CE2, CM2 vont être réorganisées. Ils vont nommer un nouveau professeur. Ils attendent la nomination entre le 7 septembre et le 11 septembre. Donc les classes vont être réorganisées. Je vais voir si ça impacte la classe d'Alexis ou pas, mais c'est les CE2 et CM2. Donc voilà, donc c'est... Ouais, c'est le 2 CM2. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on attend de voir comment ça va se passer, mais c'est bien quoi. Donc comme ça... Hein? Ah. Donc voilà, donc c'est cool. Ils seront quand même moins dans la classe quoi qu'il arrive. Peu importe s'ils changent ou pas, mais ils seront moins dans la classe. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'était beaucoup trop à mon goût. Voilà, à plus tard. Vous avez vu notre cher David, enfin le mien surtout, en pleine action. Là je dis tiens pour une fois je vais le filmer lui. C'était rigolo quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de penser. En fait j'ai évoqué dans quelques vlogs le fait que je lisais beaucoup, enfin que je lisais pas mal. Dans les commentaires, quelques personnes m'ont dit... que je pourrais faire une vidéo sur mes lectures. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Je pense pas que ça puisse plaire au plus grand nombre. Je ne sais pas. Donc en fait j'étais en train d'y réfléchir là, c'est pour ça que je vous en parle. Donc je sais pas trop si ça vous plaire, si ça peut plaire. Je sais pas trop combien de... qui lit en fait. Qui dans mes abonnés aime lire. La lecture, il y en a, je sais. Je sais qu'elle lit, je sais qu'elle lit beaucoup, je sais que voilà. Après, je me tâtais à faire une vidéo sur ma lecture. C'est pas évident parce que, en plus, bon, alors moi je lis sur liseuse. J'avais fait une vidéo d'ailleurs au tout début de ma chaîne, vraiment tout début, sur les avantages de la liseuse. Moi qui adorais le papier, j'adorais les livres papier, enfin j'adorais les livres sentir l'odeur, les pages, tout ça. Et par contre, quand je passe à liseuse, bah, ça a changé ma vie. Au niveau de la légèreté, au niveau de donc du poids, le fait d'avoir plein de livres en même temps. Je lis pas plusieurs livres à la fois, mais d'avoir plein de livres à la suite, et que ça pèse toujours le même poids.
Et au niveau de la luminosité, ça n'a rien à voir avec les écrans de tablette ou les écrans d'ordinateur ou les écrans de téléphone portable. C'est vraiment une luminosité adaptée à la lecture. C'est-à-dire, c'est du noir et blanc généralement. Et c'est très. C'est super agréable. Bon, enfin bref, je ne suis pas venue là pour parler de ma liseuse. Vous pouvez voir mon ancienne vidéo si vous le souhaitez. Mais donc, je me tâtais à faire peut-être de temps en temps une rubrique sur mes livres, sur mes lectures. Et oui, je parle de liseuse parce que du coup, je ne pourrais pas vous montrer les livres comme ça, la couverture, donc je vous mettrai des images certainement. Donc voilà, je me posais la question. Bon, alors par contre, c'est pas. Parce qu'un vlog, ça se fait à l'arrache, ça se prépare pas, on prévoit rien, voilà. Par contre, si je dois présenter mes lectures, il faut que je prépare un minimum ce que je vais dire, parce qu'en plus. Donc je pense en présenter 5 à la fois, ça suffit. Peut-être même trop, je sais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, donc ça se prépare un minimum parce que voilà, je peux donc vous montrer l'image du livre, vous lire le résumé, puis après vous expliquer. Mais après, faut que je pense qu'il faut d'abord que j'écrive un peu ce que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, pourquoi je l'aimais et tout ça. Donc avant, je faisais comme je vous l'ai dit l'autre fois, un blog de lecture. Pour faire une critique de livre, même si je les ai assez simples, assez basiques, ça demande quand même de la réflexion. Il ne faut pas dire juste j'ai bien aimé ce livre ou j'ai pas aimé. Il faut expliquer un peu pourquoi et sans dévoiler, sans spoiler l'histoire. Enfin bon voilà, donc je réfléchissais à ça, donc je m'étais dit que j'allais peut-être faire ça. Mais ah oui, donc comme il me faut du temps, en ce moment j'en manque. Parce que la rentrée a repris là, donc c'est un peu la course. Alors vous allez vous dire à la quingosse comment elle fait pour être speed, mais c'est comme ça. Je suis speed, j'ai plein de choses à faire. Voilà, donc je ferai peut-être ça un de ces quatre. Parce que comme j'ai eu quelques commentaires à ce sujet, voilà. Donc voilà, c'est une piste à creuser pour une prochaine idée de vidéo. Donc sur ce, voilà, je vous laisse, il est 21h56, donc justement je pense que je finis là, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, putain, je vais finir de regarder la vidéo et justement je vais aller bouquiner. Je vous fais des gros bisous, à demain, tout à l'heure, enfin pour vous, dans 2 minutes. Hein. Bonjour à tous. Tes souhaits. Merci. Donc voilà, je suis rentrée du travail, je vais allumer mon PC, quelle heure est-il? 17h30. Eh maman, je dors dès que t'as commencé, j'ai tout. Ouais. Donc voilà, mon loustic est rentré. Donc cet après-midi, il était au sang, ce matin à l'école. Et j'ai goûté là-bas. Il l'a goûté là-bas, donc c'est bien. Donc là, j'ai des livres à couvrir. Donc l'histoire de France. Ouais. Et puis, tu te caches, tu veux pas te fumer, c'est ça? D'accord. Ouais. Et voilà, il y a un livre à lire. Denis Lindon, Les dieux s'amusent. Denis Lindon. Et il y a 500 pages, ce bouquin. Donc là, il a deux chapitres à lire pour lundi. Donc, il va le faire petit à petit. Je vais donner un marque-page, comme ça, il n'est pas obligé de tout lire d'un coup. C'est celui que je l'avais fait en C20. C'est Alexis qui me l'avait fait. Attends, je vais vous montrer. Il me l'avait fait en C20. Il est un peu... Voilà. Donc, il est très sympa. Il n'a pas de nez. Moi, j'aime bien. Il n'y a que des souvenirs. Donc voilà, donc là je vais couvrir les livres et puis après bah, il va pouvoir, parce que les devoirs sont faits, enfin tu feras que tu continues à lire hein, le livre. Hein. Un peu tout à l'heure après. Voilà, on fait petit bout par petit bout, il n'y a pas de problème, ça c'est très bien, si tu fais comme ça c'est bien. Je serai contente. Donc voilà, je vais couvrir les livres et puis j'ai reçu un petit colis là. C'est quoi? Bah, je sais pas, je l'ouvrirai après. En vidéo quand j'aurai fini ce que j'ai à faire. Et puis voilà, donc à plus tard. Donc tu veux pas être en vidéo toi? Non. Du coup au début tu y étais un peu, tant pis. Ouais, ok. Voilà, j'ai couvert les livres, c'est une galère, je déteste ça. En fait je suis vraiment pas du tout manuel moi et franchement ça me gave. Vraiment je déteste ça, j'essaie d'en mettre le pied droit là. Donc voilà, donc j'ai reçu un truc. C'est un câble.
David, t'as commandé un câble à mon nom? Oui. Ah bah et c'est ça que on l'a reçu. Ah super. Je suis en train de déballer pour montrer mes copines, mais en fait c'est à toi. Ah super, génial. Merci chérie. J'ai commandé aussi, parce qu'il y avait des petits points, donc pour les finir, et puis il y avait 20% en plus, j'ai commandé pour moi des petits crayons, des marqueurs, tu sais, or et orange. Là, oh, c'est mignon. Tu pourras même t'en servir pour les cartes. Ouais. Donc c'est cool. Ok. Ah, tu filmes? Bah oui. Bah tu sais pas. Et tu vois ici, tu le vois. Bon bah je suis déçue parce que j'attends des colis, puis c'est pas pour moi. Je pensais que, je me disais bien, quand j'ai tâté, je me suis dit c'est bizarre, je sais plus ce que j'attends, mais ça m'a rien rappelé de spécial, donc je me connecte sur mon PC. Donc bah voilà, c'est pas pour moi quoi. Allez, je vous reprends 1, c'est 4.